Croix du Nivolet, du hameau de Lovette au-dessus de Saint-Jean-d'Arvée, montée par le pas de l'échelle jusqu'au sommet de la Croix du Nivolet. Traversée du rocher de Charvetan, jusqu'au col de la Doria, et redescente jusqu'au hameau de Lovette. Il y a un tout petit parking qui est souvent plein, surtout le week-end. Du coup, mieux vaut se garer beaucoup plus bas. C'est le parking qui est sous le village. En suivant la route, on arrive assez rapidement au petit sentier qui monte au village. Dans le village, prendre le chemin qui monte tout droit, à côté d'une petite fontaine. Plus haut, on rejoint un large chemin forestier qu'on peut choisir aussi de suivre depuis Lovette ou Lovettaz. Voilà, ça grimpe beaucoup plus facilement et plus doucement que par le petit sentier direct. À la croisée des chemins, il faut prendre à gauche, direction Nivolet. Tout droit, c'est pour accéder à la Via Ferrata de la Grotte à Carré. Et à droite, c'est le chemin du retour le soir. Sentier qui monte direct vers l'alpage est vraiment très agréable. On aperçoit la Croix du Nivolet. Ainsi que le pas de l'échelle par lequel on va monter. Du petit col, on monte sur l'épaule où il y a un petit sentier que l'on suit qui traverse les rochers jusqu'au pas de l'échelle où le passage est un peu scabreux, déconseillé aux gens qui n'ont pas le pas montagnard. Le paysage est magnifique. Ça monte ensuite dans la petite cheminée . Joli petit passage. Sympathique arrivée vers le sommet. Où l'on tombe directement sur l'énorme croix du Nivolet. Arrivé au col, quitter le gros chemin forestier qui va tout droit.
et prendre à droite en direction de l'Ovetaz. En descendant, on aperçoit la paroi de la Via Ferrata de la Grotta Carré. Et là, il y a toute une grappe de Via Ferratistes en pleine action. Un peu plus haut, quelques-uns se reposent dans un trou de la paroi. C'est une Via Ferrata qui est très bien cotée et quand même assez risquée, on va dire, et très physique, paraît-il. C'est très bruyant! De la cascade de la Doria, le sentier remonte un petit peu, puis on retrouve le chemin du matin que l'on suit de la même façon qu'on est monté en fait. Très confortablement, c'est un beau sentier.